Il est magnifique. Ouais. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de mettre aussi Chrissa et pas que oh bah ouais. Sur la vidéo. Viens, viens vers moi. Oh, voilà. Coucou. Bon, quand vous pouvez voir. On se retrouve. Enfin, au soleil en plus. Au soleil en plus. Parfait. Moi, ça me va très bien. Bon, alors, on parle de quoi, là? On parle de tes mésaventures ouais. Avec la Guardia Civile. Tes aventures? Tes mésaventures. Ah, d'accord, pardon, parce que je n'avais pas compris le mot. Tes mésaventures oui. Avec la Guardia Civile, c'est ouais, bien mais ça? Toi aussi, t'en es arrivé, quand même. Ouais, mais bon, ça va, moi, c'était moins grave. J'étais juste... il avait juste la route bloquée, je pouvais plus continuer, c'est tout. Alors, je vais demi-tour, je suis reparti. Donc, en tout cas, ça y est, hein. Tout est fini. Ouais. Maintenant, ça va. Ouais. L'autre, la prochaine aventure, bah, on verra bien. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Bah, allez. Et puis, on vous parle aussi un peu du parking ici. Je vous présente un peu le parking et l'environnement tout autour. Parce que c'est joli. Parce que c'est très joli. Et puis... Tu penseras à mettre les références. Les coordonnées GPS. Ah, pour ceux qui ont demandé pour la rizière, là, ça y est, j'ai mis dans le descriptif hein, les coordonnées. Ouais, ça aussi c'était joli. Malheureusement, il avait trop de vent et trop de pluie. Sinon, on serait bien resté oui, encore quelques jours. Oui. Mais franchement, allez-y, c'est magnifique. Hein. Nous, ouais. Bon, on l'a vécu dans l'extrême, mais bon, allez-y, c'est magnifique. Ouais. Allez, amusez-vous bien avec la vidéo. On se verra tout à l'heure. On voit le kiki. On voit toujours le kiki. Bon, joli endroit. Parking d'un monastère. Et si je me tourne de l'autre sens, il y a qui? Oh, il y a un coquelicot. On va voir ce qu'il y a derrière le coquelicot. Est-ce qu'il y a une ombre quelque part? Un petit peu. Un petit peu. Salut à toi. Qu'est-ce que vous faites là, vous, madame? Ah, j'en sais rien. Assis par terre, c'est quoi cette histoire? Couché sous coquelicot. Couché sous coquelicot. Eh ben écoute, ouais, t'es bien installé là, sous coquelicot, ouais, franchement. Hein, n'est-ce pas? J'suis alors... en train d'essayer de voir comment on se présente la chose, donc ah bon. Oui, le gars de la Guardia Civile qui t'a cassé ton machin là, le gros, voilà quoi. Ouais, mais en plus, il m'a piqué un morceau, le bras là, avec la poignée, parce que ça comment c'est... ça, il te l'a piqué? Je pense qu'un des hommes qui était là de la station, il a raison, on pense qu'il l'a pris pour pas qu'il y ait de preuves ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, il y avait deux morceaux. Il y a le tuyau en plastique, oui. Bon, pour la sortie, et il y a une espèce de bras métallique ouais. Avec la poignée qui va jusqu'au bord tige. Pour tourner, ouvrir ouais. Et fermer. Ouais. Et écoute, on l'a cherché, elle est disparue. Comme par hasard. Ah oui, donc tu peux même pas ouvrir ou ah là, je, voilà. Donc c'est pour ça que je suis dessous, là, pour essayer d'ouvrir. Pour essayer d'ouvrir, parce que... Bah oui, alors j'ai même pas pris de douche parce que je me suis dit bon... Oh le con. Voilà, ah mais... oui. C'est pas uniquement qu'il t'a cassé ton truc, en plus il t'a piqué les machins pour réparer. Voilà, tu peux donc, même pas réparer, voilà. Quoi. Alors là je suis en train d'essayer de voir pour carrément enlever le bloc de plastique pour essayer d'ouvrir. Oui. Parce que là j'ai l'impression que j'ai pas assez de force, j'arrive pas à ouvrir, tu sais, au bout de la tige, la fameuse tige. Oui. Parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'elle est dessous, tordue. Et là, c'est la première fois aujourd'hui où je suis à sec. On va dire vraiment au sec. Oui, et puis me coucher, coucher. Parce ouais. Que là, j'étais à Ségorbé, j'étais au bord de la route, je ne pouvais pas m'arrêter. À Teruel, vous avez vu dans la vidéo à la fin, j'avais encore de la neige, ouais, de l'eau ouais, et ouais, tout. Ouais, 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 je ne pouvais pas me coucher. Donc, je consomme de l'eau mollo. Parce... Oui, oh, oui. Salaud. Ah, mais connard, hein. Mais oh, connard, ouais. Oh, purée. Et puis en plus, bon, après, bon, ce que je vous ai dit brièvement, c'est que j'ai essayé de le dire à un autre guardia et tout. C'est bon, il y en avait beaucoup, hein. Oui, il y avait des militaires, il y avait. Vidéo, bon, voilà, il y a des militaires, il y a tout, tout le temps, tout le temps. Non, je me suis pas servi du GPS pour bouger, je me suis servi des guardias qui me disaient si c'était ouvert ou pas.
Et j'aurais raconté, mais ils sont, ah ben oui, sont solidaires. Hein. Donc, j'ai que les larmes pour pleurer, etc. Quoi, voilà. Et puis en plus, ce que tu n'avais pas compris, tu me dis comment ça se fait que tu as laissé. Mais le truc, c'est que j'étais au milieu de la route, dans le village, Val de Robres. Oui. Tout le monde était au milieu de la route, oui. La route fermée, oui. Tout ça. Oui. Donc on était dans la neige, donc on même le camionneur devant moi, il a laissé tourner le moteur, moi j'ai laissé tourner le moteur, en attendant de savoir qu'est-ce qu'on fait pas avec les Espagnols, les machins. Là j'ai béni mon Espagnol. Et du coup, Coquelicot tournait, le moteur tournait, tout ça, et le bonhomme d'Alogodia, il voulait monter, j'ai dit non. Mais il n'a pas droit de monter tout, comme ça. En plus, mais le pire que ça, c'est que tout se passait bien. Il y avait les deux hommes de la station-service qui étaient avec des pelles, mais vraiment qui ont été courageux et tout, avec des grosses pelles. Ils n'ont même pas laissé d'autres hommes pelleter, tout ça, vraiment c'est gentil. Il y avait le routier, il avait une petite pelle pliante, c'est genre un peu militaire. Il est sorti avec sa pelle. Bon, ben ça, il a fait pour lui, après il était en train de faire pour moi. Il y a d'autres hommes qui sont venus. Il y avait des agriculteurs avec des tracteurs, tu sais. Bon, ils essayaient de venir aider tout le monde parce que j'étais pas la seule. Hein. Bah, oui. Il y avait le camionneur, il y avait d'autres Espagnols en voiture qui étaient bloqués, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Parce que ce qu'on voit, c'est que la petite rue, dans la vidéo, on voit un petit peu, il y a des gens qui essayaient de rentrer chez eux à pied, ils ont eu du mal avec les parapluies, machin, parce qu'il y avait de la neige. Donc, du coup, le mec, il me dit, moi, je vais conduire, vous allez, tu vas voir, la neige, j'ai ne pas, il est bas, il y a beaucoup de neige. Oui. Les hommes de la station lui ont expliqué, lui ont fait voir, etc. Oui. Parce qu'ils étaient d'accord et tout. Oui. Alors ils ont expliqué, moi je les ai expliqué, après tout, leur espagnol est bien meilleur que le mien. En gros, il a joué les... Voilà, hein. Et il m'a bousculé, il m'a prise par le bras. Il m'a poussé et tout. J'ai gueulé pour exagérer les choses parce que je voulais pas. Il m'a pas laissé faire, il est monté dans le camping-car et badaboum, badaboum, badaboum. Normalement, il n'a même pas droit à toucher ton véhicule, parce qu'il n'avait pas d'urgence. Quand c'est urgence, oui, d'accord, mais il n'avait pas d'urgence. Non, mais en plus, tout se passait bien. Il n'a pas droit de... Tout se passait très, très bien. Même pas de toucher ton véhicule sans ton autorisation. Voilà. Mais tout se passait bien, tout était organisé, tout se gérait très bien. Il n'y avait personne de mal, il n'y avait personne de... voilà, tout se passait très bien. Et puis voilà. Et le soir, j'ai bien vu, la station-service... Bon, j'ai déjà connu ça, ce n'est pas la première tempête que je vis. Ils avaient des groupes électrogènes, etc. Et ils m'ont dit, viens avec nous, on va discuter. Bon, on s'est tous retrouvés dans la station-service. Et puis je me suis dit, après tout, je suis mieux dans ma situation qu'eux, parce qu'eux n'avaient pas d'électricité. Ils n'avaient pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. Et donc, moi, j'avais le chauffage. Et là, ils étaient en train d'essayer de discuter comment ils allaient s'organiser. Puis moi, en même temps, je réfléchissais, je me dis quand même, j'ai pas un deuxième lit, mais j'aurais pu accueillir au moins une ou deux personnes sur les fauteuils, conducteurs et passagers, s'allonger au chaud, faire chauffer un truc. Ouais. Alors bon, j'écoutais comment ça se passait et tout ça. Mais tout le monde... tout le monde calme, tranquille, peinard, tout ça. Ouais. Et il y en avait qui surveillaient que la Guardia Civil ne vienne pas pour foutre le bordel. Et tout s'est géré très bien. Il y a des gens qui m'ont même proposé d'aller manger chez eux, de dormir chez eux. Ouais. Attends, c'est bon, j'avais tout ce qu'il fallait, voilà. Voilà. En plus, tu étais encore mieux lotie. Oui. Tu te souviens, comme nous dans le Vercors, deux fois cette année. C'était encore l'année dernière. On était mieux lotis que les autres, dans les maisons. On avait l'électricité avec les batteries, on avait le chauffage, donc on a quand même des avantages au camping-car, surtout pendant une tempête. Ah ouais, non, mais là j'ai béni le camping-car. Et puis en plus, j'avais à manger, j'avais à boire. Mais alors, je te raconte même pas. J'avais mis mes bottes, j'avais mis mon anorak et tout. J'avais de l'eau jusqu'au mollet. Alors ça a duré je sais pas combien de temps. Il pleuvait dans la neige. Quand je suis rentrée dans le camping-car, pour vous dire, même ma peau,
toute ma peau était mouillée. Tu m'étonnes. Ça a passé à travers l'anorak, ça a passé à travers les pulls, les t-shirts, tout ça. J'avais l'écharpe, j'avais même mis mon bonnet. Tu sais que Coralie nous avait fait, j'ai mis mon bonnet. Le bonnet, il était essoré, les cheveux qui dégoulinaient. Écoutez, franchement, je n'ai pas raconté les détails, mais je sortais d'une douche froide. Voilà, j'ai dû m'essuyer, m'éponger. Et vive le camping-car qui chauffe vite. Et vive le camping-car. Oh là là, ouais. Tiens, mais les bottes fourrées, la fourrure, elle est... Oh. Ah ouais, mais ça tout, c'est... Tout. Ouais. Et le lendemain, donc les gens, bon, ils commençaient à papoter, tout ça, bon, ça s'activait. Et les premiers, c'est ceux de la station, le couple de la station, ils m'invitent pour le petit déjeuner. Oui. Je suis allée avec eux. Tu me connais, le matin. En plus, c'était à la boulangerie-pâtisserie. Très bien, on était contents. Hein? Attends, je vais pas râler. Donc, manger. Mais j'avais pas faim, mais rien que pour leur faire plaisir. J'ai mangé des cesses de... Bon, j'adore l'Espagne, hein, mais vous connaissez la pâtisserie espagnole. J'ai mangé une espèce de chocolatine. Ouais. Tu sais, oui, bah, Dijon de sucre et tout, c'est de la crème chocolat. C'est le truc qui te met en une heure plus tard. De bon matin. Mais c'est pas grave, c'était super bon. Ouais, et on a tous bu des cafés, tout ça. Après, je suis retournée dans la rue, bon, voir un peu comment ça se passait. Me renseigner. Il y a d'autres gens qui étaient là. Allez, on a bu des cafés, tranquille. Tout ça. Voilà, ça s'est bien passé. Franchement, le résultat, c'est que c'était super sympa. Ouais. Ben, de toute façon, j'ai eu ton dernier WhatsApp, il était 12h30. Oui. Et c'était au moment où moi j'étais arrêtée par la gardia civile, pareil, oui. Parce que la route était fermée carrément. Ben, de toute façon, la route de Monroyo était fermée tout autour. Donc ouais. Toi, tu l'as eu beaucoup plus rapidement que moi. Ben, c'est surtout j'ai tout simplement fait demi-tour là où j'étais arrêtée. Il commençait tout juste à avoir la neige. Ah oui. Dans la vidéo, il commençait tout juste à avoir la neige. Et comme à l'endroit où ils avaient fermé, on pouvait ou tourner à gauche ou faire demi-tour facilement, même des camions, on aurait pu faire demi-tour. Donc, ben, j'ai tout simplement fait demi-tour, je suis revenue oui, voilà. Sur la côte. Alors que moi, il n'y avait personne. Oui, et puis comme je n'ai pas eu de nouvelles de ta part, et le dernier message que j'ai eu de toi, comme quoi tu es dans la neige, je me suis doutée que tu es bloquée quelque part et tu n'as pas de réseau. Voilà. Voilà. Simplement, donc, et oui, parce que j'ai demandé à la station, bien évidemment. Ouais. Bah, eux non plus, ils n'avaient pas. C'était carrément cassé, tout ça. Et puis, il n'y avait personne. Quand même envoyé au moins une dizaine de messages. Oui, je les ai eus. Je les ai. Oui. Quand j'ai le lendemain, j'ai repris la route. En plus, j'étais pressée parce que bon, je voulais te donner des nouvelles. Ah, oui. Parce que je me mettais à ta place, j'ai dit, purée, moi, je serais folle et tout. Donc, j'ai pris la route. Bon, j'ai essayé de prendre la route assez vite, le temps d'avoir les vraies informations. Ouais. Donc, ils m'ont dit, pareil, Monroyo, c'était toujours fermé. Pourtant, je pouvais quand même commencer à descendre, voir sur Alcanis, etc. Ouais. On ne savait pas. Ouais. Ils ne savaient pas trop encore comment c'était. Ouais, ça, c'était en cours de dégagement. Ouais. Donc, je dis, bon, tant pis, je pars. Et quand j'ai commencé à voir le réseau, le téléphone, ding dong, ding dong, ding dong. Tu m'étonnes. Tous les messages de Christa, par téléphone, par WhatsApp, partout. Ah, c'est pour ça. Ah, mais je me suis pas emmerdée. Vous avez vu la route, hein, chers amis. Je me suis arrêtée au milieu. Voilà. Et j'ai répondu, j'ai envoyé vite fait un message à Christa. C'est bon, je suis vivante. Par contre, il y a dans un des commentaires, il y a une de nos abonnées qui nous a donné une adresse internet d'un site où il y a toutes les problèmes routiers en toute Espagne. Tu peux, c'est mis D'accord. à jour immédiatement, c'est en temps réel si tu veux. Et là, tu as vraiment route par route. J'aime pas du tout ce que tu me dis. Pourquoi? J'aime pas. Parce que... Je croise tous les doigts de la terre. Non je veux que ce soit fini. Maintenant où on va, c'est fini. Non, c'est pas uniquement pour les tempêtes, c'est des oui. trafics en oui, général. Oui, oui, oui. Tous les accidents, les chantiers et tout. Oui, oui, oui. Non, mais j'espère que là, c'est bon.
c'est quand même bien. J'espère que c'est bon. Donc, du coup, j'ai suivi, et puis j'ai vu, ben là, c'est toujours fermé, et là, c'est toujours fermé, et là, c'est toujours fermé, et ben voilà. Ah non, mais il y a plein d'endroits, bon, ouais. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, suive le GPS, mais j'ai pas suivi le GPS, j'ai suivi ce que la Guardia me disait. Il y a des moments où tu peux pas suivre le GPS. Oui, j'écoutais, bon, là, j'étais contente de parler espagnol, quand même. Ouais, hein. Ouais parce que j'ai écouté ce qu'il me disait, etc. Ouais. Comme à un moment donné, je t'ai dit, bon, je vais tenter Montalban, etc. Ouais. Montalban, vous avez vu où ça bouchonnait, il y avait deux gros camions qu'on réussit petit à petit à croiser. Mais vous avez vu les routes perpendiculaires dans Montalban. Je ne pouvais pas. À un moment donné, on se trouve dans l'impossibilité de s'arrêter. Ah ben, tu peux pas. On peut pas stationner, on peut pas. Et j'étais fatiguée. De toute façon, déjà en Espagne, c'est difficile de s'arrêter. Hein, ouais. Voilà. Mais là, les routes perpendiculaires pour aller dans les villages, etc., c'était fermé. Donc les villages, j'espère là que maintenant ils ont ouvert. Mais dans les villages et tout, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas des choses comme ça. Ouais. Parce que là, tout était fermé, il y avait des montagnes de neige et tout. Là, hein. En tout cas, sur la côte, oui, il y a encore des endroits où il y a un peu d'eau. Mmh. Mais sinon, les routes sont dégagées. Eh oui. Et puis, voilà. Mais par contre, effectivement, et c'est pour ça, moi, je suis allée sur un camping. C'est le seul endroit que j'ai trouvé ouvert, ah bah oui, qui ne soit pas inondé. Mais Alcanis... Même eux, ils n'avaient pas d'électricité. Hein. Ah bah oui. Non. Alcanis, j'ai été surprise quand j'ai vu que c'était inondé au cœur de Alcanis. Bon, c'est vrai que ça fait une cuvette comme ça, le centre d'Alcanis. Ouais. Et dedans, c'était inondé, quoi. Ouais. Par contre, bon, j'ai vécu la même chose qu'on a vécu dans le Vercors. Moi qui suis une amoureuse des arbres, dans le Vercors, on a vu des noyers, des milliers de noyers cassés, coupés... fichus, et là sont des oliviers, alors ce sont que les gros, les anciens, qui, bah, vous avez, bon, t'as vu sur la vidéo, c'est noyé, mais là, ces oliviers, pardon, c'est encore par milliers, quoi, et les jeunes arbres, ils ont résisté, mais bon, ça, tout ça, souple, ça fait quoi. Mal, hein, tout ça, ça fait mal, et oui, vous dites qu'il a fallu du courage, mais je pense pas que ce soit ça, c'est que j'ai pas eu peur, je me suis dit j'y vais doucement. Je pense que c'est pas une histoire de courage, je crois, parce qu'à un moment donné, tu as la dose d'adrénaline qui est là. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, puisque tu peux pas faire demi-tour, tu es condamné à aller devant toi. Ouais, voilà. Et puis, en plus, en roulant doucement et tout, encore une fois, c'est pas la première fois que je vis des tempêtes, des choses comme ça. J'en ai quand même pas mal vécu. Ouais. 99, j'étais en Dordogne, etc. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des êtres humains. Ouais. Et dans ces cas-là, bah, il y a une entraide, quoi. Bah, bien évidemment. Et j'y crois, quoi. Et ça, par contre, l'endroit et peu importe le pays. Dans les moments de détresse, de catastrophe, il y a toujours. Mais voilà, ça vient automatiquement. Mais oui, c'était chouette, c'était comme ça, et puis c'est tout, quoi. Ça se fait naturellement. Non, c'était bien. C'était bien quand même. Alors maintenant, beau temps, merci. On va tenter, enfin tu vas tenter ou moi je vais tenter ou nous allons tenter de réparer ça là. Ben, c'est surtout d'ouvrir. Je suis très très surprise parce que il y a toujours, je vois bien où il y a le taquet pour tourner, tu sais, pour ouvrir. Oui. Et là avec la pince et tout, j'ai forcé et tout et je n'y arrive pas à ouvrir. J'arrive pas du tout à ouvrir, j'arrive à accéder, il n'y a pas de souci. Pour ça, je me suis mise sur les cales pour monter un peu le niveau. Bon, comme j'étais toute seule, je ne savais pas sur quel niveau j'étais. Donc, je suis que sur le deuxième de la cale. Oui. Donc, j'aurais pu monter encore un peu. Mais bah, par contre, c'est pas la peine de rêver. Coquelicot est dans un état de crasse. Oh non, mais il faut que ce soit pas mieux. Ah ouais. Mais n'empêche qu'il a assuré. Hein. Ah oui. Arrête, moi je suis allée doucement. Bon, bon, je vais aller voir un peu, je vais vous montrer un peu le paysage, c'est un monastère là derrière. En fait, je suis bien contente de retrouver ma grande sœur. Quelle gamine. Toujours. Et voilà. Bon, alors du coup, oui, je vous montre le monastère, il est là. Et puis, c'est un parking, nous sommes sur le parking du monastère, là.
n'y a pas un chat, il n'y a personne. Si, il y a deux voitures là. Et en fait, chat, en parlant de chat, il est où Cassie? Ben Cassie, là, elle se fait plaisir, elle se balade. Je lui ai mis le harnais, elle est par là à travers. Là... Elle n'est même pas venue nous dire bonjour, je suis vexée. Ça, là, c'est bon. Gold, mais au bord de la gare, elle était un petit peu dehors aussi. Ouais. Mais bon. Elle a été particulièrement pénible parce qu'elle n'a pas arrêté de miauler. Mais bon, la pauvre petite bête, elle en avait ras-le-bol, quoi. Et ils sentent à l'attention, ouais. Hein, de toute façon. Ouais. Bon. Et c'est pour ça, quand il y en a une qui a dit oui sur le tableau de bord, non mais attends, relativise, Miss, hein. Je roulais en première, peut-être ouais. Que ça se voit pas. Ouais. Et les flics, s'il y en avait eu, ils seraient venus mettre la merde encore. Ils n'auraient pas empêché Cassie en première. Non. Pas dans une situation comme ça. Pour situer un peu où nous sommes, alors en fait, nous sommes ici. Là, voilà. Convent et Saint-Esprit, le couvent du Saint-Esprit. Et on est arrivé par là. La N234A, c'est la route qui va vers la côte. Hop. Ça, c'est l'autoroute. A23, c'est l'autoroute qui va à Teruel. Teruel est plus au nord. C'est cette route qu'a pris Ambre pour redescendre. Voilà, elle est gratuite à cet endroit-là. Donc, la côte, elle est là. Ça, c'est l'autoroute A7. C'est l'autoroute qui longe toute la côte. Ça commence à la frontière, à la Jonquera, et qui descend jusqu'à l'autre côté, jusqu'en bas de l'Espagne. Donc on arrive d'ici, tac tac tac, là voilà, et on tourne et on prend le chemin vert où il faut que je suis avec la caméra. Et voilà, on est ici. On n'est pas très loin, on est à 20 minutes à peu près. Ben moi j'avais fait le plein à peu près ici, à Sagunto, et j'ai mis 20 minutes pour venir. Donc franchement, dès qu'on quitte le plat, là, ici, toute cette partie, elle est plate. Hein, dès qu'on quitte un tout petit peu, ben, on est tout de suite à la montagne. Voilà. Oh voilà, nous sommes dans un endroit juste à côté du monastère, juste à côté du parking, aménagé pour le pique-nique. Alors, en règle générale, les Espagnols sont des grands fans de pique-nique, de barbecue, de vivre dehors, de manger dehors, tout le temps. Et c'est pour ça aussi, on l'avait déjà remarqué, on avait déjà parlé plusieurs fois avec Ambre, devant les maisons, c'est pas forcément très fleuri, mais par contre, dans chaque ville, dans chaque village, il y a toujours... parc public très fleuri, très bien aménagé, et tout le monde se trouve dehors, on vit vraiment dehors. Et puis vous voyez, même on est en janvier même, et puis il fait pas très chaud, mais il y a toujours du monde. Et ici dans le parc, ben vous avez des aménagements, des tables, des chaises. Là, la petite maison en briques qu'on voit là, ben, c'est des barbecues. Et ça, on l'a déjà remarqué plusieurs fois, des tout petits minuscules villages, mais ils ont un genre d'air de pique-nique, avec un barbecue aménagé. Tout le monde peut venir s'installer, pique-niquer, faire du barbecue. Et ça, c'est vraiment, ils ont vraiment des grands adeptes de la vie dehors. Ça, on a toujours remarqué, ça a toujours été comme ça. Vraiment beaucoup d'aménagements, pique-niques, loisirs. Il y a même un aire de jeu là pour les enfants. On le voit un peu là derrière, là par là. Et on peut passer par là. Il y a un autre parking pour les voitures là-bas. Les poubelles. Encore une maison au barbecue là derrière. Et puis là, à travers des arbres, on le voit un tout petit peu là, Coquelicot et Foxy. Bon allez, on va redescendre, on va reprendre le chemin. Mince, c'est sans interdit, je peux pas y aller. Oh.
Voilà, l'endroit aménagé, ce n'est que 1, 2, 3 ou 4 qu'ils ont ici dans le coin pour faire le barbecue. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, ça sent bon le bois brûlé là. J'adore cette odeur. Voilà, 1, 2, 3, 4. Des gens de plein de travail pour poser les plats et tout ça. Voilà. Et tout ça gratuitement. Bon, effectivement, normalement, il faut venir avec le charbon. Il y a quelques morceaux de bois. Il y a quelqu'un qui a laissé un peu de bois. Mais normalement, il faut venir avec son charbon, avec son sac de charbon. Et puis voilà, on peut faire le barbecue. Moi, je trouve ça génial. J'ai jamais vu ça en France. Est-ce que ça existe en France? Est-ce que vous avez déjà vu ça en France quelque part? Je sais pas, j'ai jamais vu. Moi, je trouve ça super sympa. J'ai vu ça aussi au Portugal. Ça existe aussi au Portugal. Et au milieu de tout ça, une chapelle. Mais en fait, c'est pas vraiment une chapelle. Je crois que, je pense que c'est le cimetière du monastère. Parce que quand vous regardez à droite là, les plaques sont les frères Buenaventura, frère Elias, frère José Maria, et ainsi de suite. Et là, au fond, là, on va passer la main, là, tout au fond, là, il y a des noms, des gens, des frères qu'ils ont décidé. Et puis le premier, c'est de 1879, 1881, 81, 82. Donc, c'est à cette époque-là que le monastère a été revitalisé, on va dire comme ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Bon, il paraît quand on grimpe tout en haut de la colline, là, on peut voir la mer. Mais franchement, non, j'ai pas le courage. Ben, on n'est pas très loin de la mer. Hein. J'ai mis hier de la côte. J'étais à Sagunto pour faire le plein de gasoil. J'ai mis 20 minutes pour arriver ici, et ben, ici, tout le long de la côte, dès qu'on quitte la petite bande, c'est une toute petite bande pas très large de terre plate, et dès qu'on quitte un tout petit peu, on est tout de suite à la montagne. Et c'est pour ça, en plein été, même, il y a des endroits où on peut faire du ski le matin et aller se baigner dans la Méditerranée l'après-midi. Je trouve ça pas mal. On a une belle vue sur le monastère, ici, qui est toujours en action, toujours avec interruption depuis l'11e siècle. Ça a été fondé au 11e siècle. Et c'est des moines de franciscains qui sont ici, pratiquement depuis le début. Et bon, ça a été fermé, c'était rouvert, c'était refermé, c'était rouvert, et plusieurs périodes. Et là, maintenant, il y a du monde depuis fin 19e siècle, en permanence. C'est en activité, oui, il y a des messes tout le jour, on peut assister aux vêpres, c'est public, il y a des messes tout le dimanche. Et ils font surtout, on voit dans les grands bâtiments, là, les bâtiments blancs, là, ils font hôtellerie, on peut louer une chambre, on peut faire une retraite, on peut louer une salle, des endroits pour faire des séminaires. Donc, ils ont compris, hein, ils ont le sens du commerce. Bah, il faut bien s'adapter. Hein. Le chemin qui mène vers le monastère, je vais le prendre pour voir si on peut visiter. Nous sommes devant l'église du monastère. Mais bon, c'est fermé, on ne peut pas visiter. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup, pratiquement pas d'informations, je n'ai rien trouvé. Parce que même si on se connecte sur le site du Monasterio de Santo Espíritu del Monte, on n'a pas beaucoup d'informations, on a juste les informations si on veut venir faire un retrait, une retraite plutôt,
je ne sais pas, oui, comment dire. Passer quelques jours ici, organiser des séminaires, oui, mais il n'y a pas vraiment d'informations historiques. Le peu que j'ai trouvé, ça dit que c'était construite, fondée au XIe siècle et par période occupée, inoccupée et ainsi de suite. C'est tout ce que j'ai réussi à voir. Alors pour les catholiques parmi vous, toutes les niches là, tout autour, vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, tout autour du jardin, là partout, enfin c'est le chemin de croix. Donc les catholiques parmi vous, vous savez ce que ça veut dire, les non-catholiques, c'est en fait c'est le chemin que a pris Jésus. À partir du moment où on lui a donné la croix jusqu'au moment de la descente de la croix. Il y a 14, je crois qu'il y a 14 au total. Voilà. Ça, c'est notre parking. On est arrivé hier. Et je pense qu'on va repartir demain. Il est très grand. Par contre, il est aussi très en pente. Et du coup, ben, on a fait quelque chose que normalement, sur un parking en sauvage, ne se fait pas. On s'est mis sur les cales. Mais bon, on est hors saison. Donc, on ne gêne personne. Le parking, il est assez grand. Demain, on va repartir. Demain, c'est dimanche. Donc on va repartir pour laisser la place aux visiteurs du week-end. Et voici deux vieilles connaissances. Alors, Domino, il est couché quelque part, on ne le voit pas. Cassie, elle est sur le tableau de bord. Ambre est assise derrière son ordinateur. Voyons si on peut la faire sortir. Allez, ça va bouger un peu. Elle nous fait un coucou, on ne le voit pas. Bon, vous avez vu tout ce qui nous est arrivé. Non, c'est quand même ahurissant ton histoire, ouais. avec la vidange. Mmh. C'est vraiment, c'est incroyable. Ça m'a agacé quand même. Ouais. Hein. Là, ouais, c'est incroyable. Mais bon, de toute façon, à un moment donné, on dit stop, on peut pas. Ils ont le pouvoir, hein. Ils ont le pouvoir. La loi, tout ça, c'est loin de. Quand devant toi, tu as l'autorité, bah, tu peux rien faire. Et puis c'est tout, en fait la Guardia Civile, c'est l'équivalent de notre gendarmerie en France. Ouais, mais en gros, ça pète. Hein. Nos gendarmes, ils ne pètent pas comme ça quand non. même. Hein. Non. Ah, non. Les gendarmes en France, avant tout militaires, ils sont quand même. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes, mais avec la Guardia Civile, bon, là, c'est la première fois que j'ai vraiment un problème. Ouais. Bon, ben, j'ai pas loupé, quoi. Ouais. Et n'empêche qu'il m'a chopé le bras, j'ai des bleus au bras quand même. Hein. Donc, bon, voilà, quoi, quand même. Ah, ouais, bon, il m'a quand même. Et puis, ton vidange, maintenant, c'est bon, à nous de trouver un truc pour le réparer, parce que, c'est qu'en fait, il est cassé. T'étais couché sous coquelicot, moi je me suis couché sous coquelicot, voilà. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile à gérer non plus. Non. Faut retrouver une tige, parce je sais pas pourquoi il l'a prise. C'est au milieu, c'est vraiment au milieu sous coquelicot. Donc pour accéder, il faut vraiment se coucher dessous, sinon on n'arrive pas. Pour l'ouverture, enfin bon, allez, on va repartir. On là, tourne la page. On est dimanche aujourd'hui, on va repartir. Oui. Et puis on va aller direction soleil, direction sud. Pourvu que la météo t'entende. En fait, on était venu ici pour chercher le soleil et pas pour chercher les orages, les tempêtes, la pluie, Gloria. De toute façon, des tempêtes, il y en aura de plus en plus. Hein. Ouais. J'ai des amis de Madagascar qui m'ont appelé, il y avait une tempête, il y a des tempêtes de partout maintenant. Ouais. La météo, c'est de la folie. Hein. Ouais. Enfin, bon. Allez, on vous laisse. Ciao, ciao.